Et coucou à toutes et à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un pousse-toi Blair. Un tuto, bug du filet. Donc pour le premier, monter sur le toit de sa maison, il faut faire le bug traditionnel du filet. Donc en avançant le plus doucement possible. Et bien sûr, finir par monter sur son toit. Voilà, donc là ça commence déjà à avancer pixel par pixel. Je sais pas si vous remarquez. Voilà, je suis déjà sur mon toit. Donc c'est le bug du filet le plus rapide. Après, petite photo souvenir. Voilà. Donc ensuite maintenant. Désolé, ça fait un truc bizarre. On va passer au numéro 2. Donc il faut descendre de la maison. Donc c'est très facile, hein, il n'y a aucun risque pour votre cartouche de jeu. Donc vous connaissez sûrement le bug des rails, donc de train. Vous prenez encore le filet. Oui, on n'a pas fini avec ce fameux filet. Et vous allez refaire le plus doucement possible. Voilà, j'avance un peu vite. Là, je vais le plus doucement possible. Comme ça, je peux rentrer carrément dans la brique de ma gare. Donc, ce bug-là, c'est un des premiers que j'ai appris à faire. Parce que c'est le plus connu, je pense. Donc on est à 2 minutes et je vous ai déjà appris à faire deux bugs qui sont très simples. Donc maintenant on va passer à l'autre bug où je vais carrément passer par la même fonctionnalisation par ici. Donc voilà. Voilà, donc je suis arrivée ici. Donc là c'est le bug du filet pour nager dans l'eau sans maillot de bain. Oups, je suis revenue. Surtout que j'ai tout recommencé. Bon, je vais essayer de le refaire. Ça va mettre un temps fou. C'est bon, ça refonctionne. Voilà, donc lui il est quand même assez long je trouve comme bug. Et on va pouvoir lâcher le filet et tout simplement foncer dans l'eau. Et vous pouvez nager, plonger comme vous faites d'habitude. La preuve. Voilà. Et tout ça habillé. Ensuite, aucun rapport avec le bug du filet. Mais pour avoir notre photo de profil en sépia ou en noir et blanc, il faut tout simplement appuyer soit sur le bouton, excusez-moi, donc le bouton L pour le noir et blanc et le R pour le sépia. Voilà. Ensuite, je vais reprendre le filet. Je vais me diriger vers une fontaine, hein, vu que j'en ai plein, on va prendre celle-là qui est là, plus proche. Ensuite, je fais encore et encore le même principe. Et normalement, ça va fonctionner. Petite interruption. C'est bon, ça commence à avancer un peu. Donc c'est la même chose à chaque fois. Hein.
Voilà, donc ça a fonctionné. Je peux monter sur mes objets. Voilà, et c'est vraiment cool. Donc vous pouvez prendre une photo souvenir, mais moi je l'ai déjà fait. Ensuite, je vais passer au bug de la rivière. Excusez-moi, il y a un habitant qui veut me voir. Voilà. Donc la rivière, on va aller là tout simplement. Vous faites encore la même chose. Et normalement, ça devrait marcher. Bon, je sais que ça marche. Faites-moi confiance. Vous pouvez regarder sur d'autres vidéos YouTube. Je crois qu'il y en a. Donc, par exemple, sur les 30 astuces ou des choses comme ça. Vous verrez que vous pouvez le faire avec le filet. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.